si je te dis que toutes les vidéos 48 heures d'Inoxtag sont étroitement reliées, donc les 48 heures dans un bunker, 48 heures avec des zombies, le dernier survivant et 48 heures dans les backrooms, et si je te dis que le principal suspect de cette histoire c'est pas Michou, Inoxtag, Amine ou Billy, mais que c'est Mathieu, et qu'il y a un lien de parenté avec cette fameuse Anna et Charles qui seraient en fait au final des entités des backrooms, et est-ce que là tu me crois? Et ben dans cette vidéo je vais tout expliquer et c'est la plus grosse théorie par rapport à toutes les vidéos 48 heures d'Inoxtag. Donc avant que je te raconte tout, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à mentionner un maximum Inoxtag pour qu'il puisse voir cette vidéo avant qu'il monte l'Everest. N'hésite pas à t'abonner également et je vous remercie encore pour les 100 000 abonnés, c'est incroyable. Et avant de continuer, je tiens à remercier les 5 go du Discord qui ont créé tout ce que vous êtes en train d'écouter. En effet, moi je suis simplement l'orateur de toute cette histoire et c'est eux qui ont fait un travail acharné, qui m'ont amené toutes les preuves et qui m'ont sorti un dossier incroyable. Et si toi aussi t'as envie de participer aux prochaines enquêtes et que tu passes dans mes prochaines vidéos, n'hésite pas à rejoindre le Discord, discord.gg/keoni. Et on commence tout de suite avec la plus grosse théorie autour des 48 heures de Inoxtag. Petit aparté avant de commencer, est-ce que vous connaissez Kane Pixel? Kane Pixel est l'inventeur des backrooms et a décidé de lui faire une référence dans le début de sa vidéo. En effet, je vous mets brièvement l'intro de Inoxtag à l'écran, et si vous fouinez un peu sur internet et que vous cherchez Kane Pixel, vous allez trouver cette vidéo. Donc on voit déjà très bien que toute l'histoire qu'Inoxtag a créée autour des 48 heures déjà tourne autour de ses backrooms. Et certains là qui sont déjà impatients et je le sens venir vont me dire, mais pourquoi tu dis que toutes les vidéos sont reliées? Quel est le lien qui rapproche par exemple la vidéo 48 heures dans un bunker et celui des backrooms? Et ben tout simplement à cause du méchant qu'ils appellent l'ombre. En effet, dans 48 heures dans un bunker, il y a cet extrait. J'ai entendu dire qu'il y avait une bête, une ombre qui traînait autour de vous. Faites vraiment attention aujourd'hui. Ça craint dehors. Ça craint vraiment. Il a dit, faites attention, il y a une bête qui tourne autour de vous. Il a dit une bête et une ombre. Et à votre avis, qu'est-ce qu'a vu Michou quand il était en train d'inspecter les murs? Il a vu ça. Homme du téléphone? C'est une ombre noire. Et après, il y a une photo. L'ombre noire, on dirait lui, là. Une simple coïncidence ou tout simplement un lien entre les vidéos? Je vous laisse vous faire votre avis. Et on va continuer avec la vidéo qui est sortie après celle des bunkers, qui est le 48 heures avec les zombies. Et là, mais quel est le lien? Tout simplement, à la fin de la vidéo, vous avez vu que Michou et Inoxtag se sont fait mordre et qu'il y a des possibilités qu'ils se transforment en zombies. On vous invite le vaccin, vous êtes sauvés. Vous avez beaucoup de chance de survivre à tout ça. Mais vous êtes pas tout seul. Et si vous faites attention, on voit des hommes qui sont déguisés et qui ont une certaine tenue. Et dans la dernière vidéo des backrooms, à un moment donné, on voit un homme courir dans les couloirs. Faites attention. Et non, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était Inoxtag du futur par rapport à la boucle temporelle, mais pas du tout. Si on observe bien, il n'a pas du tout le tuyau derrière lui. Donc ça prouve bien que ce n'est pas Inoxtag, et si on compare par rapport aux zombies de la vidéo zombie, c'est clairement un des mecs qui s'est occupé d'Inoxtag qui a dû se faire mordre et se transformer, et qui malheureusement est tombé dans les backrooms. Et même on a cette image quand ils sont devant tous les méchants, où on voit bien la même tenue que dans la vidéo 48 heures des zombies. Donc déjà, ça fait 2 vidéos sur 3 qu'on a réussi à relier à la vidéo 48 heures des backrooms. Et il manque celle où il y a le plus d'éléments, et c'est là que c'est le plus intéressant et ça va tout relier même à Mathieu, c'est la vidéo Le Dernier Survivant. En effet, dans cette vidéo, on y découvre un couple, une certaine Anna et son mari Charles, où on apprend que cette fameuse Anna est une youtubeuse qui avait décidé de se lancer sur les réseaux et qui avait demandé de l'aide à Michou et Inoxtag pour se lancer dans sa carrière, et qui malheureusement, pour se venger parce qu'elle a jamais eu de réponse, a décidé de les inviter et de les assassiner. Et c'est vrai qu'au début de la vidéo, si vous avez bien écouté, je vous ai dit que Mathieu était le fils de Anna et de Charles. Mais quelles sont les preuves qui me permettent de dire ça? Parce que tout simplement, cette fameuse Anna, comme je vous ai dit, est youtubeuse, a sorti plusieurs vidéos sur sa chaîne. Et vous allez voir qu'elle a une place assez importante dans l'histoire. Et elle a sorti cette fameuse vidéo où on la voit péter un câble. Mais de qui elle parle quand elle dit « Mais tu l'as laissé dans la voiture, tu lui es rentré dedans, t'as failli le tuer ?» Qui était dans la voiture avec Inoxtag? Est-ce que ça vient de titiller dans votre tête? Bien sûr, c'était Mathieu. Donc oui, on peut comprendre qu'en fait, c'est Charles Caquelard, de son vrai nom, qui est rentré dans la voiture avec Inoxtag et Mathieu Caquelard, et c'est même pour ça que Mathieu a demandé à Inoxtag d'arrêter la voiture. Tout simplement parce qu'il savait que c'était à l'intersection où la voiture de Charles Caquelard aurait pu rentrer dans la voiture d'Inoxtag. Et sauf que Anna n'était pas au courant de ce plan. Et de plus, Mathieu, dans cette fameuse vidéo,
est au courant de tout, parce qu'à un moment donné, il a clairement jeté Michou dans la gueule du loup, et c'est clairement à cause de Mathieu que Michou meurt dans la vidéo Le Dernier Survivant. Et maintenant que vous avez cette information, que Mathieu est bien le fils de Anna et de Charles Caquelard, Mathieu est le principal responsable de tout ce qui se passe dans toutes les vidéos 48 heures. Mais si je vous dis que Mathieu Caquelard n'est pas simplement le fils de Anna, mais plus le dieu des entités, celui en fait qui contrôle tout depuis le début, et qui est vraiment au-dessus de tout, et celui qui arrive à contrôler toutes les entités des backrooms. Alors là, c'est là que c'est le plus intéressant, et maintenant on va se plonger dans toutes les théories qui sont dans la vidéo des backrooms. Et avant de continuer toutes les théories sur les 48 heures des backrooms, il faut que je vous recontextualise toute l'histoire avant que tout le groupe de Inoxtag tombe dans les backrooms. Il faut que je vous parle déjà de qui est Tim Berners. Si vous le connaissez pas, c'est l'homme qui a créé Internet, c'est lui qui a créé le web, et cet homme a une place assez importante dans la vidéo parce qu'il est l'entité qui est coincée dans le fameux ordinateur où le groupe d'Inoxtag va essayer de communiquer pour avoir des informations. Mais sauf que avant que le groupe de Inoxtag arrive dans les backrooms, il a décidé de piéger Kane Pixel, dont je vous ai cité le nom au début de la vidéo, qui a créé les backrooms, et le fameux John Titor, qu'on entend dans la vidéo des backrooms. En effet, c'est John Titor qui se fait contacter principalement par Tim, et Tim lui envoie les coordonnées où il faut le rejoindre. Et sauf que vous connaissez, il est passé à travers le sol, et il est tombé dans les backrooms. Et d'après l'histoire, il aurait fait plus de 37 000 niveaux sur les 60 000 des backrooms pour essayer de sauver l'âme de Tim, qui était bloqué dans l'ordinateur. Sauf que malheureusement, il n'a pas réussi, et Tim avait besoin du créateur originel des backrooms, et c'est le fameux Kane Pixel. Donc à l'aide de John Titor, il le manipule pour faire la même chose et le faire tomber dans le même panneau et attirer Kane Pixel dans les backrooms. Et sauf que Kane s'est énormément rapproché de Tim, et Tim a manipulé Kane pour assassiner John Titor. Et pourquoi il a fait ça à votre avis? C'est que ça faisait trop longtemps qu'il essayait de trouver une solution et qu'il n'y arrivait pas. Et donc il en avait plus besoin, et donc il a décidé de l'éliminer. Et sauf qu'à cause de ça, Tim a décidé d'enfermer Kane Pixel, et c'est pour ça que quand Inoxtag arrive dans les backrooms, il y a déjà tous ces indices sur les murs, parce que ça faisait déjà des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années, qu'ils essayaient de trouver une solution pour retrouver l'âme de Tim. Et c'est pour ça que Kane Pixel, dans la vidéo des backrooms, a essayé un maximum d'aider Michou, Inoxtag et tout le groupe, en disant que l'ordinateur mentait et qu'il le manipulait. Et sauf que quand Tim s'est rendu compte que le groupe croyait plus Kane Pixel que lui-même, il a décidé d'envoyer une entité pour tuer Kane Pixel avant que le groupe d'Inoxtag le sauve. Donc je sais, il y a énormément d'informations, vous devez avoir le crâne en feu, c'est pas terminé, vous êtes pas prêts. En effet, dans cette vidéo, il s'est passé tellement de choses par rapport à tellement de personnages différents qu'on se demande qui est le réel responsable. Est-ce que parmi ce groupe, il n'y avait pas quelqu'un en fait qui manipulait le tout depuis le début et qui a mené à ce que chaque personne se fasse éliminer un par un? Et comme on sait que Mathieu est notre principal suspect, bien évidemment, on va traiter son cas en dernier. On va commencer par le cas de Billy. Billy, qui meurt on ne sait pas comment, on sait qu'ils n'ont pas réussi à résoudre son Rubik's Cube et qui malheureusement meurt et devient une entité des backrooms, comme dans cet extrait où on le voit très clairement sans sa tenue, ce qui fait qu'il est réellement devenu une entité. Amine, je sais que t'as dormi pendant que les autres essaient de me sauver. À cause de ça, mon âme a été détruite. Je suis bloqué ici à tout jamais. Et là où on voit que Tim Berners permet de contrôler toutes ces entités également, c'est le fait que comment Billy pouvait être au courant de ce qui se passait en fait au moment où Amine attendait alors qu'il y était pas. Parce que tout simplement, Tim a tout raconté à travers ce qu'il a vu dans la salle d'attente là des backrooms et a tout expliqué à Billy pour qu'il devienne méchant. Et c'est pour ça qu'il s'est attaqué au groupe. Tout simplement parce que Tim permet de gérer aussi ces entités. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de Tim? Ça, on y arrive après. On va parler également de la mort du grand JD qui lui tout simplement... On voit qu'il est pas si mécontent de ça. Non, il mourrait pas, Putain, quoi, c'est... Moi, je pense qu'on court. C'est si fort. C'est le temps qu'il y a dans ta tête. Les gars, je suis pas tenu. Je suis pas tenu. On est dans les macros. Il est pas mécontent d'être mort parce qu'on sait que le grand JD est très fan du paranormal, donc d'être devenu une entité, pour lui c'est peut-être pas quelque chose de mal parce que il adore cet endroit, il adore ce milieu. Donc d'être devenu cette chose, pour lui ça le dérange pas. Pour moi c'est la meilleure théorie. Parlons du cas de Michou, qui est celui qui est le plus étrange et qui a mené énormément de personnes dans des fausses pistes. Michou, comme on le voit dans la vidéo, c'est celui qui est le plus impliqué. C'est celui qui a regardé tout ce qui se passe sur les murs, c'est celui qui a lu le plus d'informations et qui était peut-être le plus au courant de comment faire pour sortir. Et vous savez très bien en regardant la vidéo, la seule manière de pouvoir sortir, c'est grâce aux tisseuses, qui se situent à l'étage 49. Et il y a eu ce moment étrange où Michou a eu une réaction bizarre, parce que dans toutes les vidéos, il a toujours été passif, c'est pas lui qui prenait des décisions, mais lorsqu'il a fallu se sacrifier avec les tisseuses, il n'a pas hésité une seule fois à être la personne sacrifiée. On n'a pas fait ça pour rien, ok? Non, frérot, j'ai pas le courage de rester tout seul dans les backrooms. Je reste, c'est bon. Tu seras meilleur que moi. Non,
Gros, reste pas bloqué ici, frère. Je m'en vais, gros. Écoute, encore une fois, frère. Et comme c'est celui qui a regardé le plus d'informations, est-ce que c'était pas la manière de pouvoir sortir des backrooms? Tout simplement en se sacrifiant. Petite théorie au passage, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Grâce aux enquêteurs de Discord, on a même retrouvé les trois instas des fameuses tisseuses. Je vous les affiche à l'écran. Et là, on va s'attaquer au plus croustillant, à la fin de la vidéo. Tout ce qui s'est passé lorsque Inoxtag s'est retrouvé tout seul, qu'il est tombé sur ce fameux homme, où les gens ne savent pas qui c'est. Mais si je vous dis que c'est Tim Berners, est-ce que vous me croyez? Eh bien oui, c'est bien lui en fait. Celui qui était soi-disant derrière l'ordinateur, c'est cet homme. Et comment on peut le savoir? Tout simplement en regardant la description. À un moment donné, il y a écrit la ligne Tim Berners et le nom d'un acteur. Et si vous cherchez le nom de l'acteur, vous trouvez la personne qu'on trouve dans les backrooms. Et ça permet également de rebondir sur cette théorie de pourquoi à un moment donné on voit tous les fameux monstres. Donc vous voyez l'ombre, le fameux zombie, les fameux monstres des backrooms. Tout simplement parce qu'il voulait barrer le passage à Inoxtag et Michou pour éviter qu'ils puissent rejoindre Tim Berners qui permet de les contrôler. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelqu'un au-dessus de Tim Berners. Quelqu'un qui s'est toujours un peu effacé de toutes les vidéos, qui a toujours été celui qui a été ignoré, rabaissé, rabâché. Et si, depuis le début en fait, c'était pas Mathieu, le coproducteur d'Inoxtag. Et là, ça devient très très intéressant. En effet, si vous regardez dans la plupart des posts, dans la plupart des vidéos qui ont été tournées des 48 heures, alors que Mathieu est quand même le coproducteur de Inoxtag, donc quelqu'un qui travaille à temps plein sur les vidéos, il n'est jamais mentionné. Il est toujours ignoré, comme s'il avait été mis de côté, parce que pour Inoxtag ou pour les gens de la vidéo, ce n'est pas réellement un participant. Et même, pour vous montrer que ça va encore plus loin que les fameux cadres, où comme par hasard, Mathieu n'y est pas, il y a même ses post-it, où on peut voir les différentes initiales, donc le M de Michou, le I de Inoxtag, le A de Amin, le B de Billy, mais bizarrement au-dessus, il y a un MATH qui est barré. Attendez, quel prénom a MATH dans ce... Mathieu. Et, théorie en plus, pourquoi on n'a jamais vu les morts de Mathieu dans aucune des vidéos? Et est-ce que Mathieu aurait pas décidé de se réincarner dans cette fameuse entité dont on ne sait pas d'où elle vient, qui est apparue que dans les backrooms, pour essayer de se venger du fait que Inoxtag n'a pas récupéré son Rubik's Cube? Et même pour aller encore plus loin, Mathieu a un compte TikTok, et à l'intérieur des comptes TikTok, si vous regardez bien les hashtags, il y a Dieu des entités. Il y a énormément de choses qui font faire le lien que Mathieu, depuis le début, est celui qui manipule tout, et en fait celui qui contrôlerait tout ce qui se passe dans les backrooms, et qui aurait contrôlé tout ce qui se passe dans ce flux temporel entre toutes les vidéos. Donc dans le 48 heures dans un bunker, 48 heures avec des zombies, le dernier survivant et le 48 heures des backrooms. Et que sa mère, en fait, à Mathieu, ne serait qu'une vulgaire entité, et on l'a bien vu avec ce fameux masque, et que c'est même elle qui nous l'a dit directement sur sa chaîne YouTube en disant « je reviens dans les backrooms », donc ça veut dire qu'elle est capable d'en sortir comme d'en revenir, et que toute cette histoire n'est tout simplement qu'une boucle temporelle, une boucle sans fin, où ça permet de transcender le temps, donc de pouvoir attaquer quand ils étaient dans le bunker, de pouvoir attaquer quand ils étaient avec les zombies, de pouvoir attaquer quand ils étaient dans le dernier survivant, et de pouvoir piéger Inoxtag dans cette boucle temporelle à vie, dans les backrooms. Et même on peut aller encore plus loin, parce que même Anna a sorti une vidéo en expliquant qu'elle pourrait sauver la vie d'Inoxtag, qu'elle pourrait récupérer son Rubik's Cube avec cette vidéo « Je lui sauve la vie ». Mais pourquoi elle ferait ça? Tout simplement pour peut-être que Inoxtag devienne une entité, pour qu'il puisse être manipulé par Tim et par Mathieu, et qu'il devienne un monstre des backrooms. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire, et à surtout partager cette vidéo un maximum. J'aimerais vraiment qu'Inoxtag voit cette vidéo et fasse peut-être une réaction, ça pourrait être super sympa avant qu'il parte à l'Everest. Vous, n'hésitez pas à me donner vos meilleures théories dans les commentaires. C'était Keoni. Ciao!